Namaskaram, this is Juhi Chawla Mehta. Nowadays, all kids are glued to their mobile phones, tablets, iPads all day. So what is to happen to them? One, because of this whole exposure to radiation, and two, the pressure of social media. Namaskaram, Juhi. La technologie est un formidable catalyseur dans nos vies. Combien de choses sont devenues faciles et nos vies se sont tellement améliorées parce que la technologie facilite tant de choses dans nos vies. Eh bien, ce dont vous vous plaignez, en fait, n'est pas la technologie. Vous vous plaignez de la compulsivité humaine. S'ils commencent à manger, ils ne savent pas quand arrêter de manger. S'ils commencent à boire, ils ne savent pas quand arrêter de boire. Donc quoi qu'ils commencent à faire, ils deviennent compulsivement accros à cela. Donc en ce moment, l'engouement concerne les gadgets pour cette génération. Donc, la technologie ne doit pas être rendue responsable, nous ne nous sommes pas occupés de la nature compulsive de l'homme. La compulsivité humaine ne peut être gérée qu'avec la conscience, avec une manière plus consciente d'exister. Pour devenir conscient, il existe de nombreux outils. On ne les a pas propagés à grande échelle dans notre société. Cela doit devenir une partie de notre existence. Très jeunes, les enfants devraient apprendre à vivre consciemment. Une fois qu'ils sont conscients, ils savent quand utiliser quoi et dans quelle quantité. C'est un choix individuel. À propos des ondes, je veux que vous compreniez très probablement, c'est comme, vous savez, on pensait initialement que seuls ceux qui fument vont être affectés, mais ensuite on a réalisé que les fumeurs passifs peuvent être plus affectés que les fumeurs eux-mêmes. Donc de même, quelqu'un d'autre utilise peut-être la technologie autour de vous, il y a le Wi-Fi dans votre maison, les gens utilisent des téléphones tout autour de vous. Donc, vous ne pouvez pas échapper à ces ondes. Oui, cela a des conséquences. Mais en même temps, avec la quantité de vie que ça facilite, nous sommes prêts à faire un compromis avec ça, dans une certaine mesure. Mais à quel point vous souhaitez utiliser la technologie doit être votre choix personnel. Pour en venir aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont beaucoup plus faciles à gérer qu'une vraie société. Quand la vraie société était là, vos amis, votre famille, votre belle-mère, votre mari, femme, ceci, cela, tout. Quand ils s'accrochent à vous, vous ne pouvez pas les arrêter. Le réseau social, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez éteindre votre téléphone. Donc je pense que ce mode d'interaction vous donne beaucoup plus de liberté que l'ancienne façon d'interagir avec la société. Parce que si vous vous promeniez dans la ville en vous faisant beaucoup d'amis, vous vous retrouveriez empêtré de tant de manières. Aujourd'hui, vous faites des amis juste en envoyant des messages. Quand vous ne voulez pas, vous pouvez garder votre téléphone éteint. Et c'est terminé. Donc, ces choses sont toutes de merveilleuses commodités qui sont arrivées dans nos vies. Mais beaucoup de gens font aussi de ceci un grand problème et une maladie dans leur vie. Récemment, vous avez dû entendre dans l'Andhra Pradesh, il y a quelques mois, une présentatrice de télévision, une jeune femme de 34 ans, a sauté du balcon d'un 5e étage et s'est tuée. Elle a laissé une note disant, « Personne n'est responsable de ma mort, mais mon cerveau est mon ennemi. » Donc les choses les plus fabuleuses qui vous sont données peuvent devenir votre ennemi si vous n'apprenez pas à comment les utiliser de manière responsable. Cela va pour tout, pas seulement pour les gadgets dans vos mains. Cela vaut pour votre voiture, cela vaut pour votre nourriture, cela vaut pour tout ce que vous utilisez dans votre vie, y compris votre cerveau. Si vous ne comprenez pas comment l'utiliser, si ça devient un processus compulsif, alors ça peut vous ôter la vie.